comment ça va aujourd'hui? T'es qui caille dehors. En plus, il vente. Bon, il doit faire. Ce matin, il y avait 0 degré, je crois. Là, il y avait 1, je crois. Mais il y a de la pluie. Enfin, il y a de la neige fondue qui tombe, un peu givrée. Donc, fallait faire attention de pas se casser la gueule. J'ai quand même cassé la gueule ce matin. En fait, c'est un monsieur, ça fait une petite pente comme ça avant de rentrer dans sa petite cour. Du coup, bah, comme la glace, elle s'est mise là avec la gelée et tout, bah, du coup, mon pied, il a fait foup. Mais ça va, je ne me suis pas cassé la gueule. J'ai mis mes nouvelles chaussures avec des crampons, là, vu que j'avais du ménage aujourd'hui. J'ai quand même mis mes chaussures neuves, tant pis. Mais il fallait pas que je glisse non plus, pas que je me casse la gueule. Parce que bien souvent, t'achètes des chaussures et puis en dessous, c'est la semelle, elle est toute lisse, alors ça sert à rien. Puis je pouvais pas mettre mes grosses chaussures, parce que comme j'avais du ménage. Mais après, ça va pas trop, quoi. Du coup, j'ai posé des congés. Mais je vous le dis. En fait, en gros, il me reste que 3 jours à prendre. Alors que normalement, il me restait encore les 10 jours à prendre. Mais en fin de compte, quand j'étais en arrêt l'année dernière, du coup, j'ai pas cumulé pour faire les congés. Pour faire mon quota de congés, là. Pour avoir mes congés. Et du coup. Elle m'a quand même accepté mes congés alors qu'elle n'aurait pas dû en fait. Parce que moi, au final, je les ai pris pour pas les perdre en fait. Parce que comme je venais de revenir, j'avais pas besoin de vacances quoi. Et du coup, bah, j'étais un peu carotte. Du coup, là, j'ai que 3 jours à prendre. Mais il faut que je l'appelle parce que avec les jours fériés et tout, je vais essayer de m'arranger avec elle. Pour le 8, pour le jour de l'Ascension et le jour de la victoire, là, je crois. Le 8 et le 9, je crois. Du coup, il faut que je regarde. Si jamais elle peut me les donner et puis que je travaille le 1er et le 1er avril et le 1er mai, ça peut être sympa. Enfin, faut que je voie avec elle. Là, je sais pas quelle heure il est. Il est en 1 heure. Du coup, il faut que j'appelle à 1h30. Et puis, il faut que j'appelle aussi pour le colis de ma copine si jamais elle l'a pas reçu. Aussitôt aux 2 heures parce que là, ça va commencer à me péter les couilles. Pour être poli, vendredi, non, ça doit être livré. Au final, c'est parti à lundi. Du coup, en gros, elle l'aura jamais ce colis. Bon, numéro 4 du calendrier de l'Avent. Alors, c'est à l'avoine et le sarrasin. Oh, une nouvelle gamme, je crois. Ah, ça sent bon. Non, c'est sympa. Évidemment, alors si je veux le sur moi, ça sent bon. Ça sent très très bon. Donc c'est pas mal. Un petit truc à découvrir. Je vais le mettre dans ma salle de bain, comme ça je pourrais l'utiliser tout de suite. Ensuite, le petit numéro 4 de ma petite copine. De ma copine. Ah, j'allais dire petit colis. Petite copine, n'importe quoi. Je sais qu'elle est petite, mais quand même, faut abuser. Alors, je vais couper ça pour pas trop gâcher. Pour pas couper le sac que je vais les réutiliser. Hein, pour pas décoller non plus. Alors, c'est quoi? Un truc mouté. Ah, peut-être un bandeau. Ah, trop cool, ça, j'en voulais. Ah, elle a une trop bonne idée. Ah, trop cool. Ça, j'en voulais là pour pas que j'ai de l'eau partout là à chaque fois là. Et puis un petit bandeau sur la tête là. Je sais pas si ma grosse tête va passer dedans. Je suis parée pour le sport là. Non, ça va, ça passe. C'est un peu juste, mais ça va. Voilà. On est bien là. J'ai l'impression d'être un cadeau de Noël. C'est cool. Bon, ça j'en ai déjà, mais ça peut toujours servir. Ouais, j'en ai un. J'en avais acheté un. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Oh là 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 là. Non, ça c'est cool. Une bonne idée parce que je voulais soit m'en faire ou soit en acheter. Donc c'est pas mal. Donc c'est une très très bonne idée. Je savais même pas qu'on vendait ça comme ça. Donc c'est cool. Voilà, je vais pouvoir m'en servir très prochainement, genre cet après-midi, quand j'irai à ma petite douche.
pour faire mes petits cheveux. Si vous voulez tout savoir. Donc voilà. Bon, je vais regarder pour l'étranger et tout. Mais bon, comme c'est pas encore maintenant, mon bureau il ouvre à 1h30. Mais bon, faut que j'attende un petit peu avant qu'elle s'installe et tout. Je vais pas la saouler déjà. Mais faut que je l'appelle, ça ira plus vite pour savoir quoi qu'elle. Parce que elle m'a envoyé des messages ce matin, mais comme je travaille en même temps, c'était un peu galère. Mais bon, il est quand même arrivé. Donc on verra bien. Ah oui, puis mercredi, j'ai un couple qui m'a donné une petite boîte de chocolat pour me remercier la dernière fois que leur congélo, enfin leur frigo était tombé, que je les avais aidés et tout. Je dis, bah fallait pas. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Elle dit, bah si, si, les filles, elles ont acheté une boîte, si, si, tu prends. C'est chaud. Puis voilà. Je viens d'aller à la poste. En gros, le colis de ma copine, il est parti à Dijon au lieu d'aller dans la Marne. Non mais à quel moment ils se sont dit tiens, 51, c'est né à Dijon. Je vous jure. Au mieux elle l'a demain, au pire elle l'a mercredi. Mercredi c'est le 6. En espérant qu'elle l'ait mercredi parce que après, du coup pour les jours ça va pas. Bon, elle les ouvrira en retard, mais bon, du coup, souhaiter la Saint-Nicolas un 7 ou un 8 ou un 9, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, bref. Et du coup, j'ai appelé mon bureau pour savoir pour mes congés. Au final, elle est pas là. Enfin, elle est en réunion, du coup, faut que j'attende et tout. Toujours attendre. Ce soir, faut que je lave mes cheveux, ça peut être bien. Ou demain. Où je verrai bien. Parce que du coup là je suis en repos. Après-midi, j'ai rien. Ils ont rien mis. Et puis demain je suis en repos. Donc je suis tranquille. Du coup j'ai fait la petite déco. Bon, vous l'aurez vu. Je sais pas si c'est resté intact comme je l'avais mis. Parce que je crois que j'avais changé un petit peu des trucs. Voilà. Je viens d'aller faire quelques courses. Je voulais acheter des calendriers de l'Avent pour voir si on avait encore. Mais non. On n'avait plus à Intermarché du coup. Tant pis. On sait jamais hein, si on peut les avoir gratos. Non mais moi j'ai pris quoi. Du coup on a eu. Je sais que les bûches, ils étaient à moins 50%. Du coup on en a pris. Et puis on a pris du clafoutis, là, un petit pot là comme je vous ai déjà montré. Non, je vous ai pas encore montré. Et
C'est moins 30, moins 34%. Sur la carte, du coup, je l'ai fait passer sur la carte au papy que je vais faire les courses. Comme ça, au moins, il aura 2 euros, je crois. Je me suis acheté des petites boucles d'oreilles, là. Plaquées or, enfin, je sais pas quoi, la gold, machin. Et silver, donc normalement, c'est censé tenir. Là, c'est plus, c'est 12,98 € et là, 7,99 €. Ouais, 99. Des petits serpents comme ça. Donc voilà un peu ce que ça donne les petites les petits serpents. Là, j'ai mis la petite créole pour enfin, la petite créole. Là, j'ai mis les petites créoles avec des petites strass ici. Et là, j'ai mis la même mais genre en plus grand apparemment. C'est ça, c'est pas mal. À voir si ça tient bien. Parce que si ça tient bien, ces marques-là, enfin, cette matière-là, pourquoi pas en acheter plus? Parce que bon, en soi, 13 euros pour 3, ça va encore, quoi. Surtout si ça tient longtemps. C'est une bonne qualité. Ça peut durer longtemps. Donc ça peut être rentable. Donc voilà. J'ai un peu une tête de cul, mais c'est pas grave. Bon, je vais aller me reposer, puis après, on verra bien.